Hey hey hey, salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode du DK de Challenge avec le monstre sous le lit qui commence à me prendre la tête. Désolée, je suis désolée, mais là franchement j'en ai ras-le-bol. Ras-le-bol, hurler sur. Non, non, mais c'est bon, là. Toi, t'as des couilles ou t'as pas de couilles? Allez, va te coucher, tu m'énerves. Mais hurle! Vas-y, c'est bon. Va dormir. Je vous jure, hein. Vivement l'électricité. Cela... À la casquette, moi. Oh, c'est l'anniversaire de Gustave. Ah, oh, Gustave. Gustave de Saint-Paul. Ah, c'est très très bien, mon petit. Tu vas pouvoir grandir. Ah. Et moi aussi, je me saoule avec mes conneries. Mais Gustave. Ah, il a une connotation allemande. Ça tombe bien, parce qu'il va aller combattre l'Allemagne bientôt. Ah, mais ils le savent pas encore. Ah. Oh mon dieu! Oh mon dieu! Alors, que je reprenne mes marques. Parler. Regardez. Non, alors. No way, Joséphine! Tu es loin, loin, loin d'avoir dormi. Donc, c'est moi-même qui vais m'occuper du petit hôpital. Tiens, tu vas. Non, pas aller sur le pot. Non, 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 excuse-moi, excuse-moi, excuse-moi. Tu vas aller sur le pot, tous ceux. Comme un grand daily. Ouais? Viens mettre book. Tu vas aller popoter et on va t'ouvrir pour le reste. Tu vas pouvoir manger un petit peu. Un plat. Tranquillou bilou. Mais oui, j'avais oublié, nous sommes samedi, il n'y a pas d'école pour les petits. Pas d'école. Très bien. Bah écoute, c'est bien, ils vont pouvoir jouer, ils vont pouvoir faire des trucs très sympathiquement. Lui, il fait son petit pipi. Son petit popo. C'est Arthur, hein, c'est ça? Ouais, Arthur. On a Gustave qui va devenir grand garçon. Et puis voilà. Pour l'instant, les parents, ils dorment. Joséphine, on va la faire vraiment se reposer au max. Parce que bon, elle va encore avoir une journée un peu compliquée. Ah oui, c'est vrai, il y a un truc que je voulais absolument changer. Dans la maison, parce que en fait c'est bien que je mette derrière, ça c'est pas un problème. Le problème c'est que elle perd vachement de temps à aller finalement faire sa lessive loin. Donc je vais la mettre là, la lessive. Comme ça elle aura juste à faire ça au lieu de se taper tout le tour de la maison. Je pourrais dire que c'est la même chose pour le jardin, mais bon, le jardin, j'ai la flemme de tout changer, donc on va rester là comme ça. Ouais, on va peut-être mettre. Ça. Voilà, hein, ce sera pas mal. On va dire ça que c'est pas mal. Ouais, on va dire ça. Je devrais peut-être mettre une deuxième bassine, mais bon, c'est tellement long déjà de base. Ah, Gustave s'est réveillé et le pue de cul. Bon, bah allez, toi tu vas te divertir un peu, mon petit. Non, non, pas avec le téléphone. Oh là là, my god. Joséphine! Ah vas-y, qui c'est qui vient faire chier encore son monde? Tais-toi, Albert! Tchoup, tchoup, tchoup. Tchoup, 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 tchoup. Hey, couche sale, bercer, dormir. Mais arrête! Laisse les gosses tranquilles! Sangre Dieu, je dis n'importe quoi. Lire quelque chose, tu vas lire un peu, Pierre-Nard, avant d'aller bosser un peu, tu sais. Ouais. Voilà. Vous faites votre life. Bon, on a hâte que Joséphine. Louise grandisse un peu, hein, pour passer à la prochaine dizaine. Pour l'instant, c'est dans 5 jours. On a encore un peu de galère devant nous. Qu'est-ce qu'il va faire, Albert? Albert?
Bah écoute, si tu veux, tu peux jouer à la poupée. Ah, il y a aussi un autre truc que je voulais installer dans cette maison. Je vais donc y aller prestement. J'avoue que... Est-ce que je l'ai... Je sais plus où c'est, parce que je l'ai mis une seule fois dans une de mes maisons, mais je ne l'ai jamais utilisé. Non. Je pense pas que ce soit là-dedans. Oui, c'est ça. Le petit théâtre de marionnettes. Ben quoi? C'est hyper sympa, c'est méga grand. Alors par contre, je vais le mettre à l'étage. Dans la chambre. Moi, je pense que ça pourrait être très mignon. Alors, je vais bouger ça. Et je vais mettre ça là. Et puis on va le mettre ça juste comme ça, voilà. C'est très bien. Voilà, donc un petit théâtre de marionnettes. Je me suis dit que ça pourrait être vraiment être sympa et finalement virer ça pour mettre une truc de lama là, je sais pas quoi. Et alors c'est ça. Ne réveillez pas le lama. Ouais, mais non, il y a une version un peu plus. Un peu moins pourri. Enfin, un peu plus austère que ça. Oh, où est-ce qu'elle est? Est-ce que c'est pas dans extérieur? Activité d'extérieur. Qu'est-ce que ce truc? Glacier enfant, d'accord. Ah oui, les fameux jacuzzi. Ce sera pas encore maintenant. Oh, un carillon. Et pourquoi pas mettre un petit carillon? Bon, plafond. Céramique, aluminium. Bambou mur, aluminium. Bambou mur? On va mettre ça devant la maison? Je sais pas, voilà. Voilà. Mettre des conneries un petit peu. Donc j'en étais avec le truc du lama. Stand de nourriture, Salvador Eden. Ah oui, ben non. Ah! Ouais! Mais il y a ça! Moi je vous le dis, on va se marrer, hein, la maison elle va être bien. Je vais mettre celle-là comme ça. Voilà. Avec peut-être une ou deux fougères à côté, histoire de faire un peu plus réaliste. Genre, ben non, on n'a pas du tout pris soin de... Voilà, ça rend un peu de truc bien. Je vais peut-être mettre une ou deux fleurs. Ah oui, c'est vrai, j'ai pas mis le bébé move object, c'est pas grave, je vais mettre ça comme ça. On va dire que, hein? On va dire que, alors, les lamas. Et les lamas. Punaise, je me perds. Cuisine d'extérieur. Non, on est certain que c'est pas ça. Hein. Ok. Non, mais en plus, je découvre les nouveaux trucs qui sont dans mon jeu, parce que j'ai vraiment... Vous voyez, j'ai même pas eu le temps de regarder. Depuis qu'on m'a offert les kits, j'ai pas eu le temps du tout de regarder ce que j'avais de nouveau. Bon, bah, si vous voulez, je vais taper lama. Dans meubles pour enfants. Table de jeu, ne réveillez pas les lamas. Ah, il y a pour enfants et normal. Eh oui, mais vu les couleurs, je peux pas trop me le permettre en fait. Tant pis. Je pense qu'on est déjà pas mal. Armoire du marionnettiste. Ah mais c'est hyper sympa ça, pareil, je vais le mettre dans la chambre. Comme déco. Pour donner un truc un peu plus réaliste. On va mettre ça comme ça. Voilà, ça rentre un peu. Alors bien sûr, ça va pas rester comme ça la salle de bain. Je la modifierai. Ben, je pense quand Arthur va grandir, on fera vraiment une chambre plus pour les garçons. Donc, j'agrandirai, je pense, un petit peu et je ferai la salle de bain en fonction en fonction des grands. Puis voilà, on va grandir et tout ça. Bon, alors, moi, les trucs du lama. Je suis déçue. Pour moi, il y avait un truc, ne rêvez pas le lama. Ouais, d'accord. Mais. Peut-être pour adultes alors. Classique. Oui, c'est ça! Voilà, vous voyez, une vieille table comme ça. Donc classique, mais ça veut dire qu'en gros, ils peuvent pas jouer.
sais pas trop. Après, on a une petite chaise, pas table. Non, alors, je sais plus. Vous voyez, je me perds. Il y a trop de choses. Non, c'est là. Je veux une chaise comme ça. Ouh, des nouvelles chaises. Non, on va prendre des chaises un peu classiques, un peu moches. Est-ce que j'ai des chaises de destination aventure, moi? En tout cas, je n'ai toujours pas testé. Ouais, il y a celles-là, mais elles sont vraiment pas terribles. Hein. J'aurais pas dû jeter les autres chaises, finalement. À moins que papa il refasse des chaises. On va prendre celle-là en attendant. Et je suis sûre que ça va pas coller au niveau. Bon. Bon. Comment qu'on va faire? Ouais, en fait. Ils peuvent, mais j'ai... C'est ça qu'il faudrait que j'enlève. Voilà. Ok. Et du coup, peut-être mettre l'armoire ici. Ou peut-être l'armoire là. Et le marionnette ici. C'est pas mal. Qu'en pensez-vous? Et là, ici, de toute façon, pour l'instant, ils sont que deux, hein, donc... Voilà. Je vais juste changer la couleur de la table. Ouais, c'est... Ah mais si, il y a comme ça. J'avais pas vu. Ouais, bon. Ça fait pas du tout même coloris, hein. On va faire ça comme ça. On va dire qu'entre-temps, le bois, il a changé de couleur. Qu'est-ce que je voulais faire en plus? Je voulais rajouter des tables de nuit pour les parents, mais on va demander à Pierre-Nard de les fabriquer. Faire comme ça. Pour ajouter un peu plus de décoration, acheter des plantes, tout ça. Alors, petit Arthur. Tu peux peut-être empiler. Et puis comme ça, ils vont pouvoir faire pas mal de choses, les gosses, avec même les adultes, ils vont pouvoir se défouler. Voilà. On va demander à Pierre-Nard d'aller s'entraîner au bowling, là, ou je sais pas quoi. Puis une fois que ce sera détendu, on lui demandera de faire un meuble. Du coup, c'est des guéridons. Voilà, tu vas me faire deux guéridons. Peut-être une étagère murale et après une baignoire. Je pense que comme ça, t'as pas mal de jobs. Après, tu t'occuperas du jardin. Non mais... Au bout d'un moment, on m'explique pourquoi j'ai encore ce mec qui vient chez moi. Oh, mais c'est pas possible! Dégage! Fous le camp de ma baraque. Mais c'est quoi ce délire en fait? Là, je vais vraiment... je vais bloquer la porte, hein. Sauf qu'il faudrait que je se barre avant que je bloque la porte. Non mais what quoi? C'est incroyable cette histoire. Mais laisse, c'est pas ton fils, hein! C'est pas parce qu'il est roux que c'est ton gosse, hein! Ouais, non, mais on connaît pas, hein. Y a personne qui le connaît, hein. La vache! J'en ai marre des bugs! Barre-toi! Barre-toi! Barre-toi de chez moi! Alors. Tout le monde sauf les membres du foyer. Voilà! Hein, on est OP, de toute façon on reçoit quasiment personne, on connaît personne. Donc mec, tu te casses. Il s'est barré? Je ne vois pas. Il peut aller faire une lessive, non? Ça va? Bon. Eh, c'est bon, il s'est barré. Ok! Ok! Plus rien à déclarer, tout va bien. Pierre-Nard, tu vas aller un peu... Qu'est-ce que c'est ça? S'entraîner. Ah oui, d'accord. Je pense que du coup, oui, son divertissement va bien augmenter. Ah, c'est avec un fer à cheval, d'accord, je savais pas trop ce que c'était, j'avoue. Là, logiquement, là... Ça devrait augmenter le divertissement. Bon. Il s'est encore réveillé, Gustave. Mais meuf! Tu vois pas que c'est Gustave qui hurle, donc qu'est-ce que tu t'en vas de t'occuper d'Arthur là? Ah non. Ah non, hein.
Mais les gosses, occupez-vous de vos culs. Je sais pas. Il y a plein de trucs là en haut. Je vous ai rajouté des trucs. Voilà. Alors tu vas jouer. Changer de jeu, carte. Non, mais je m'en fous. Tu vas faire réveiller pas le lama et toi aussi. Allez, vous allez jouer ensemble et vous nous cassez pas les rognonieux. Joséphine, tu vas t'occuper de Gustave. Tu vas le bercer. Tu vas y parler. Joséphine, t'es presque en bon état, hein? Après, t'iras au pipi. Voilà, oh, histé, c'est plutôt pas mal. Du coup, moi j'étais avec Pierre-Nard et est-ce qu'il s'améliore un peu? Bon, le divertissement ça augmente quand même un peu. Donc, c'est au moins ça te fait. T'es pas très bon par contre, mon gars. Ah. Ouais, je voulais faire un plan stylé, mais j'y arrive pas. C'est joli, non, notre maison? Tout ça. Regardez. On pourrait presque s'y croire, quoi. Non, Arthur, il est sorti. Arthur? Pas changé, cuillère. Oh! Bah, Albert, il fait le ménage. C'est fantastique. Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Elle est avec son téléphone. Non, Joséphine, non. Tu vas manger? Tu vas manger ensuite. Je suis désolée, mais tu vas prendre et emmener le linge. Est-ce que t'as encore de... Oh non, on avait vendu, on avait viré tout tes... T'as laissé... Oh non, mais j'en ai marre, la foutue. Ah, en tout cas, c'est... Bon, Pierre-Nard, t'auras des trucs à réparer, là. T'auras ça réparé et ça réparé. Ok. C'est bien, Joséphine, du coup, avec la lessive, vu que ce problème est terminé. Ou plus ou moins. Excusez-moi, Albert. Non, 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 bah non. Tu pourras te vaquer à quelques occupations. Tu vas jouer avec. Ah bah tiens, tu vas jouer avec tes enfants. Ouais. Vu que eux, ils sont pas joués, partis jouer au lama. Ah si, elle, oui. Mais elle a pas fini de manger, cette idiote. Oh là là. Bon, ils vont s'amuser ensemble. Ce sera au moins ça. Et Arthur, lui, il est tout seul. Arthur, tu peux te faire une petite sieste, hein? Ça, tu nous laisses tranquille. Allez les enfants! On joue au fer à cheval, là, je sais pas c'est quoi le nom. Et s'ils lancent bien, ils peuvent faire panier avec la poubelle. C'est sympa! J'y avais pas pensé à mettre ça en fait. Ça rentre complètement dans l'idée du Decade et ça peut être vraiment bien. Ils peuvent jouer ensemble et tout. Là, c'est le week-end, donc ils ont tout le temps quoi. Et au moins Joséphine elle ferait autre chose que de faire la lessive, la ménage, la bouffe. C'est pas encore ça, mais ça va. Ah, son divertissement, il remonte. Elle sera presque au top, Joséphine. Et non, c'est raté. C'est la tour d'Albert, je crois, maintenant. Allez, on t'observe, Albertounet. Et non pas le Beyrouth ou tout autre surnom à la con. Pouf. Mère et fille, elles sont choupettes hein, les deux. Par contre, Joséphine, tu as grossi. Ça va encore, hein, mais t'as des bonnes hanches. Hein. Je te ferai peut-être faire un petit régime, un petit quelques petits sprints avant de refaire un autre bébé. Et j'ai l'impression que Albert a de nouveau des sourcils qui sont pas normaux. Il y a un problème avec les sourcils hein, dans cette famille, vraiment. Allez, Josephine, c'est à toi. Bon, je vais accélérer un peu le temps. Ouais, ça va toujours pas. Bon, et ton divertissement, il est bien remonté quand même, cocotte, hein. 377, ça c'est Pierre-Nard qui fait la baignoire.
Et hop! Oh punaise, il va à une vitesse. Sauf que c'est pas la baignoire, ça. Ah, j'entends Gustave qui pleure. Bon, bah allez! En plus, son divertissement est remonté. Yes, allez, tu peux faire t'occuper du linge, ma cocotte. Et tu vas t'occuper de ton fils. Tu vas le bercer. Et tu vas un peu faire ce pour quoi tu es faite. Tu vas nettoyer les toilettes. Truc horrible. Allez, allez, allez! Joséphine! Ah non! Ah, toi, tu me pètes les noix! Tu t'occupes de ton cul! C'est chiant! Ah, mais vraiment, c'est chiant! Mais oui, parce qu'elle est partie nettoyer alors que toi, tu devais y aller. Ah, mais qu'est-ce que tu as besoin d'aller voir le gosse? Va pisser! Qu'est-ce qu'il fait, lui? Mais non! Alors là, ça, là, putain, j'en ai marre. Mêlez-vous de votre cul, bon sang! Faire un spectacle de marionnettes pour la vie et l'école. Allez, Arthur et Louise, allez, zou. Là, franchement, vous me pétez les noix. Toi, tu vas aller pisser. Hein? Tu nous fiches la paix. Joséphine, elle s'est toujours pas occupée de son gosse. Ça fait 3 fois que je lui demande. Et arrête de t'épousseter, hein, meuf. Oh, comment son divertissement est déjà dans le jaune, quoi. Tout va bien. Ah, pisté, l'autre là! J'en puis plus. Je n'en puis plus. Bernard, tu veux réparer? T'as besoin de faire une pause aussi, toi, j'ai l'impression. Tu n'arrêtes plus. C'est le beans tout le temps sur cette maison. C'est trop chou! Mais c'est trop marrant! Ah mais non! Eh! Va pisser, va manger. Voilà. Et toi, ma cocotte? Ça, je vous jure. Tu vas nettoyer les toilettes. Je suis désolée, Joséphine, mais là, il faut que tu fasses des choses, tu vois. Allez, hop. Ah, et puis t'es fou. Voilà. Toi, malheureusement, t'as pas beaucoup de repos. Mais c'est trop mignon, le coup des. Pas ce truc de marionnette, finalement. C'est super sympa. Bon, le décor à l'intérieur, il fait beaucoup trop moderne, on est d'accord, hein. Il est fatigué. Bernard, qu'est-ce qu'il fait? Ah oui. Tu vas manger. On est au P et après tu t'occupes du jardin parce que là, il est vraiment très laid. Là, il a une sale tête, notre muflier. Et elle fait quoi, elle? Elle récure toujours les chiottes? C'est très bien. C'est quand même plus calme, hein? Non, vous trouvez pas? Enfin, moi je trouve quand même, hein, par Gustave qui fait que hurler, je trouve que c'est quand même un peu plus calme. Bon, il y a toujours du bordel, hein, mais c'est un chouï plus calme. Et les trucs de marionnettes fonctionnent très bien. Donc je suis ravie. Ils s'éclatent les deux là. Par contre, c'est bizarre qu'ils soient assis comme ça l'un derrière l'autre, c'est pas logique. Mais bon. Ça passe. Bon alors voilà ce que Pierre-Nard nous a concocté. On va mettre les deux petits guéridons ici. C'est beaucoup mieux. On va mettre, je pense, peut-être ici. On va commencer à mettre un peu les trucs dans les champs, je trouve que c'est plutôt pas mal. On va vendre. La truc et puis les 4 baignoires aussi. 6 000 simflouz. C'est plutôt pas mal. Et tant qu'à faire, du coup, est-ce qu'on a les plantes vertes, hein, il n'y a pas besoin d'époque pour avoir des plantes vertes. Donc on va mettre quelques petites plantes vertes. Ça va faire du bien au moral.
Oh, mais dis donc, il y a des choses trop belles. Bon, elles sont hyper modernes, hein. Ouais, donc non, en fait, on va prendre plutôt quelque chose qui se pose. Non, il y a... Ah, c'est ça. Voilà. Plante en pot. Plutôt ça, en fait. C'est pas ce qu'il y a de plus beau, mais... Ouais, alors plutôt, on va regarder ça dans les tons. Voilà, c'est pas Jojo, hein, je suis d'accord, hein. On va voir ce qu'il y a d'autre. Ah ouais, il y a les trucs comme ça. Qui ont été séparés, mais bon, c'est trop gros. Ça, c'est trop moderne. Ça, c'est trop gros aussi. Il me faudrait des petites choses. Succulente, plante succulente. C'est super chou. Mais bon, voilà, on peut pas trop. Genre ça, c'est bien assez laid pour être posé en décoration, ça, vous êtes d'accord, hein? Et si on mettait ça ici? Ah voilà, au-dessus de la cheminée. Un petit peu de plante verte. Ah, c'est tellement laid ce truc en plus. Vraiment. Ça, non, c'est trop moderne aussi ça. De la fougère. Moi et la passion des fougères du pack de la jungle. C'est quelque chose. Hein. Ça peut être assez moche. On dirait un truc de récupération, quoi, un tonneau. On pourrait le mettre, ça, non, dans la maison. C'est hyper gros, par contre. Genre là. Peut-être que je vais rétrécir. Ouais. Non, ça veut pas, parce que j'ai pas mis le code. Ou dans ce cas-là, là. À côté de la... Bah non, il veut pas. On va mettre ça comme ça. Donc on va remettre sous la fenêtre, comme j'avais mis. C'est pas mal! On gagne un peu de... Non, il n'y a aucune différence vraiment. Hein. C'est D'accord, bon bah c'est tout ce que je voulais voir. En truc d'extérieur, est-ce qu'on peut mettre quelque chose d'extérieur? Oh, des sièges. Ouais. Genre là, je sais pas. Et puis à côté du jardin. J'avais déjà mis le truc là, mais. Dire ça et puis on fera on va encore faire des fougères là un peu alors oui les fougères moi j'utilise le terme fougère pour à peu près toute plante possible imaginable hein, donc vous inquiétez pas là-dessus je sais que c'est pas des fougères mais j'aime appeler ça des fougères voilà et les petites marguerites on va en mettre un peu voilà non on peut pas. Je ne peux pas croiser d'autres objets. Mais moi, tu me crasses les couilles, hein, tout un peu. Oui, voilà. Et avec d'autres fleurs ici. Et il peut pas croiser d'autres objets. J'aurais dû mettre le code. Je serais tranquille. Bon, on va faire comme ça. Voilà. Ça égaye un petit peu. On va dire que Pierre-Nard, il a fait le jardin. Et puis, il a oublié de tondre ici. En même temps, il n'a pas de tondeuse. Donc, voilà. On va faire ça comme ça. Il y a quand même des belles améliorations. Dans la maison pour aujourd'hui. Donc j'ai fini à refaire à manger parce qu'il y avait quasiment plus rien dans le frigo. Petit Arthur mange aussi. Dire n'importe quoi. Parler de super-héros. Un bain s'il te plaît. Parler de jouets. Parler d'art. Ah bah tiens, je veux bien que le petit parle d'art, tiens. Ah bah y a plus. Parler d'art. Fierry, d'être sympathique, tout ça. Mais il est crevé. Alors maman, en fait, vu qu'elle est en bonne forme, elle va pouvoir aller le coucher. Et ça, c'est plutôt très positif. Voilà. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pu le faire, ça, quand même. Tata! Oh non, Gustave. Et lui, il va se ramener. Ah non, j'ai cru qu'il allait y aller. Elle joue avec une voiture. Très bien. Si tu veux aussi, tu peux manger, cocotte. Bien perdu. Toi, ça va. Maman, tu vas aller coucher Arthur et puis après, on pourra s'occuper de Gustave. Pourquoi tu descends du lit? Ah, d'accord!
Non, il a décidé qu'il allait s'évanouir. Bah d'accord. Bon bah Joséphine, tu vas du coup t'occuper de Gustave. Son Gustave, il va bientôt grandir. Non. Alors toi, non. Là franchement, toi tu me pètes les noix, donc tu vas prendre un bain. Allez hop, dégage. Dégage. Joséphine, encore une, allez. Ah, oh, punaise, ces gamins qui veulent se mêler du cul des autres, là, ça va plus, hein. Oh, quel bonheur. Ne plus l'entendre hurler. Lui, toujours avec ses... Ok. Je savoure ce moment de calme. L'ado de liner un peu. Ah bah il est parti se coucher. Bon bah c'est pas l'intention qui manquait. Oh mais dis donc, on dirait que le panier est plein. Ah bah ça alors. On va pouvoir faire une petite lessive. Ah bah oui hein. On va faire les poches avant. Et tu vas faire une petite lessive dans la bassine. Bah oui, ça faisait longtemps. Je pensais qu'on n'allait pas y avoir droit pour cet épisode, mais quand même. 21h30, c'est pas grave, tu vas faire la lessive. Faut pas rêver, hein, Joséphine. Et il y en a une qui est partie se coucher. Bah, tant qu'il n'y a pas de monstre, moi ça me va. Lui, il va jouer. D'accord, tu vas contrôler tes émotions. Lui, il s'occupe du jardin. Il y a du taf, il est mort de fatigue, le piernard. Divertissement social, c'est pas top. Bon. Ah! Joséphine a trouvé une rose! Mais de où t'as trouvé une rose? Allez, Joséphine! Encore une lessive! Tu n'y échapperas pas. Une lessive comme tu ne les aimes pas. Alors, 22h12, elle commence. On va chronométrer ça. Moi, je vous le dis. Bon, maintenant, Piernard va tout récolter. Et on va tout vendre aussi, avant qu'il tombe dans les vapes. Ah, ils étaient tendus, hein. Je pense que le dimanche, on va lui faire prendre du bon temps plus que travailler, parce que, enfin, on verra avec. On verra ce qu'il fera. Tire à dormir, mon grand. Joséphine, 23h30. Eh ben, elle a fini tout juste la lessive, ma belle. Tu vas vider la lessive et la mettre dans une corde à linge, quand même. Dans 23h. 1h15, Sims. Et tu vas changer l'eau. Eh oui, parce qu'on veut pas se faire avoir encore une fois. Et comme on a récupéré une rose dans notre inventaire, on pourra essayer de faire un parfum de rose après. Voilà, ma belle. Oh, Gustave. Oh, il me saoule. Il me saoule, il me saoule, il me saoule. Allez, va vite le changer, parce que là, c'est bon. Piernard, lui, il en peut plus, il va pouvoir aller se coucher. Alors que le gosse est en train de hurler, ça va pas le faire. Il va pas être content. Pas être content du tout, même. J'ai pas été assez rapide. Enfin, du moins, il a pas été assez rapide. Bah, oui, bébé, c'est pas grave, il dort dans son super jardin, hein, les fesses à l'air, il craint rien. Il est mort quoi le mec. Il est mort, il en vit plus. Tu vas quand même récolter le reste des fruits du dragon, hein. Oui, bah tant qu'à faire. Et après tu pourras aller te coucher. Pas avant. Voilà. Voilà, nos parents sont partis au pays des rêves. Qu'est-ce qu'elle veut faire, elle? Tu vas pas prendre de l'eau. Non, non, cocotte. Puis quoi encore? Tu vas aller dans ta chambre. Et tu vas dormir. Bah tiens, Albert, il est pas bête, hein. Il se dit, ouais, non, mais si je dors, il y a le monstre qui se pointe, donc je vais faire plutôt une sieste. Ouais, mais tu vas dormir quand même. Parce qu'il faut dormir, de temps en temps. Bon, alors du coup, on va remettre... Ah oui, c'est vrai, il faut lui acheter un petit instrument, c'est dommage. En tout cas, moi, c'est là-dessus que je vais vous quitter avant que le monstre ne débarque. J'espère que cet épisode vous aura plu, que les améliorations dans la maison vous auront plu.
N'hésitez pas à laisser un message. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour la suite du Decade ou de tout autre Let's Play. Allez, salut!